Enfin, cesse d'être. Il y avait comme ça, il n'y a rien à craindre. Mais on ne sait jamais, ta femme pourrait se radiner et nous surprendre. Il va falloir partir voir sa mère pour le week-end. Oh, quelle idée farfelue de venir dans le bar où vous avez vos habitudes. Tu veux pas aller? Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, mais, un colonel pour moi. Et pour madame. Oh, la même chose pour madame. Très bien. Tu ne crois pas que tu es ridicule? Non, je suis sur les gardes. Ben, tu la connais, ma femme? Ben non, pas encore. Et elle te connaît? Ben non. Alors, si elle rentrait dans le bar à cet instant, c'est moi qu'elle reconnaîtrait, pas toi. Alors cesse de te cacher. Oh! C'est pas faux. Oh! Il pensait que ça serait plus approprié. Bon, maintenant, ça suffit, hein. Ma femme est à 400 km, alors arrête ces enfantillages. Oh, oh. Ne m'en parlez pas, ça fait plus de 15 jours que ça dure, hein. Et donc, de l'autre côté, tu me tiens à l'envers. Où, Caroline? Je peux tout expliquer. Hein? Je te présente Lucie. Lucie qui boit quoi au fait? Oui, hello. Ah. Y a-t-il monsieur Starr ici? Oui, c'est moi. Eh bien, c'est pas vous, hein? Merci, monsieur. 5 ans de mes communes. Et le voilà, avec une autre, dans notre bar. Là, nous sommes connus. Je suis d'accord avec vous, c'est moi. Tu lui avais dit que ce n'était pas une bonne idée. Oh, ça va, c'est pas le plus grave. C'est quand même votre bar. Je vous comprends, ça m'est arrivé à moi aussi. Charles ne m'avait pas dit qu'il était marié. Pensez bien que si j'avais su, je n'aurais pas eu une aventure avec lui, Caroline. C'est vrai, tu ne savais pas qu'il était marié? Bien sûr que non. Je te le jure sur ta tête. Tu vois, ce soir, nous sommes deux femmes qui quittons le même homme. Ah bon, ben si tu le quittes, moi, finalement, peut-être pas. Taratata, tu ne vas pas t'arrêter à retourner avec lui. Tu le largues tout de suite. Tu crois que ça lui servira de leçon? Ah non, au contraire. Il faut l'humilier, le faire mourir de rage. Nous allons faire comme si nous étions au monde. Je l'ai déjà fait, ça a marché. Oh, c'est marrant comme idée, mais je ne le suis pas. Il nous suffira de faire courir le bruit. On pourrait organiser une soirée de séparation avec ses amis. Et là, tu me présentes comme ta nouvelle compagne. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, l'idée me plaît bien. Je ne veux pas rentrer et me retrouver seule avec lui. Mais je ne sais pas trop où aller. Viens chez moi, je t'héberge. Oh, ça me gêne un peu. T'as une chambre d'amis? Bien sûr, 60 grammes. Bon, où en étions-nous? Hein? Nulle part, Charles. Si tu me cherches, tu me trouveras désormais chez Lucie. Bye bye. Deux femmes qui se tiennent la main. J'hallucine, hein? Dites-moi, ce ne sont pas deux. Ce sont deux. Deux. De quoi? Fabienne Dumas.
Paulette Higa.